double a permis à Vitaly Tcherbo d'être champion du monde, alors que le parcours de Li Xiaochang était exceptionnel au sol. Et au parallèle, regardez bien ce que la Chine nous propose, c'est tout à fait éclatant. Bascule coupé écart, que l'on appelle le takkai. Un peu compliqué, ça monte jusqu'à l'équilibre. Ici, un double dans les barres, suivi d'un temps de ventre. Grand tour autour du bras en Eli. Il en enchaîne deux. Le soleil. Un autre double dans les barres. Oui. En arrière, bien sûr. Et quelle belle réception. Demi-tour à l'équilibre. Et double carpé. Parfait, parfait, parfait. Sans faute. Alors là, si on voit mieux dans cette finale, eh bien, ça ne pourrait venir que de la part du Coréen Jung Jin So, peut-être de Ivankov, le Biélorusse, ou du Japonais Tanaka, à moins que l'autre Chinois qui va suivre soit encore meilleur que Li Xiaochuang, ce qui m'étonnerait. Regardez comment il réceptionne parfaitement ce salto double. Double salto arrière dans les barres. C'est une finale de très haute qualité à la barre parallèle. Oh. Li Xiaochuang. Et ce plan. S'était qualifié avec déjà une note de 725 sur le programme libre. Voici le double carpé. Ce sont des images qui doivent faire rêver certains réalisateurs comme Jean-Maurice Hogg qui réalise la gymnastique à Bercy et à Coubertin. Mais sachez que ici,